بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأول للتعليم عن بعد. دونك ديزيام اكزيسيس دي سينتيز اون دون دي ريل A et B tel que A supérieur à D, inférieur à 3 et B supérieur à moins 2, inférieur à moins 1. Ah, première question. Un cadré un cadré des réels suivants. Entier DA moins 3 et moins DB plus 4. Deuxième question. A. Encadré chacun des expressions suivantes. A au carré plus B au carré. L'inverse de AB et A au carré moins B au carré. B comparé réel suivant. A au carré moins B au carré sur 2A et A au carré plus B au carré sur AB. Ici c'est AB. Réponse. Encadré entier de A moins 3. Première question. Donc on a A supérieur de D inférieur à 3. Donc D fois entier inférieur de entier de A inférieur de 3 fois entier. Donc D tiers inférieur de entier de A inférieur à 3 c'est 3 égale 1. Donc on va faire l'encadrement de entier de A moins 3. Donc on va retrancher 3 cette partie d'égalité. Donc 2 tiers moins 3 inférieur de 1 tiers A moins 3 inférieur de 1 moins 3. Ça implique que 2 moins 9 sur 3 inférieur de 1 tiers de A moins 3 inférieur à moins 2. Donc ça implique moins 7 sur 3 inférieur D entier de A moins 3 inférieur de moins 2. B supérieur de moins 2 inférieur de moins 1. On va faire l'encadrement de moins 2 moins DB plus 4.
Donc, on va multiplier toute partie égalité par moins t. Moins t est nombre négatif, donc on va changer l'ordre. Donc, moins t fois moins 1, inférieur à moins t fois b, moins db, inférieur à moins t fois moins t. Donc, ça implique que t inférieur à moins db, inférieur à 4. Donc, on a l'encadrement de moins db, donc plus 4. Donc, on va ajouter 4 à toute partie d'égalité. D plus 4, inférieur à moins db plus 4, inférieur à 4 plus 4. Donc, ça implique que 6 inférieur à moins db plus 4, inférieur à 8. Deuxième question. Encadrer chaque des expressions suivantes. A au carré plus b au carré. On a a supérieur de 2, inférieur à 3. Donc a au carré, a au carré, supérieur de 2 au carré, donc supérieur de 4, inférieur à 3 au carré, 9. B supérieur de moins 2, inférieur de moins 1. Donc ça implique que B au carré est supérieur de moins 1 au carré égale 1 et inférieur de moins 2 au carré 4. C'est deuxième égalité. Donc 1 plus 2 implique les bornes inférieures plus les bornes inférieures, 4 plus 1 égale 5, inférieur à A au carré plus B au carré, inférieur à 4 plus 9 plus 4, donc égale 13. Voilà l'encadrement de A au carré plus B au carré. A supérieur de 2, inférieur à 3, B supérieur de moins 2, inférieur de moins 1, ça s'implique que AB supérieur moins d fois moins d, d fois moins d égale moins 4, inférieur à 3 fois moins 1, donc égale moins 3. Donc si on prend l'inverse, on va changer l'ordre. Donc AB supérieur de moins 4, inférieur de moins 3, ça s'implique que l'inverse de AB est supérieur de l'inverse de moins 3 et inférieur à l'inverse de moins 4. A au carré et B au carré. A au carré moins B au carré. A au carré, on a déjà trouvé que A au carré est supérieur à 4, inférieur à 9. 9. B au carré, c'est la première relation, et b au carré supérieur b au carré, b au carré, b au carré, voilà relation, cette relation b au carré supérieur de 1, inférieur à 4. Donc moins b au carré, ça s'implique que moins b au carré supérieur à moins 4, inférieur à moins 1, ça c'est la deuxième relation. Donc 1 plus 2 implique les bornes inférieures plus les bornes inférieures 4 plus moins 4, donc égale 0, inférieur de a au carré moins b au carré, inférieur de 9 plus moins 1, donc égale 8. Voilà l'encadrement de a au carré moins b au carré. Comparer les réels suivants. A au carré moins b au carré sur ab et a au carré plus b au carré sur ab. Pour comparer des nombres, on va regarder des signes différents. Donc égal a au carré moins b au carré moins a au carré moins b au carré sur ab. Donc égal, on va simplifier a au carré avec a au carré. Donc
à aucun moyen égal 0, donc moins d b au carré sur ab. Donc on va simplifier b avec b, donc moins d b sur a. A est positif parce que a encadré entre a, c'est supérieur de d, inférieur à 3, et b c'est un nombre négatif parce que b entre moins 2 et moins 1. Donc moins db c'est un nombre positif, moins db, donc on va changer l'ordre, moins 1 fois moins 2 donc égal d, et moins 1 fois moins 2, moins d fois moins d égale 4. Donc le signe positif. Moins db c'est un nombre positif. Divisé par a c'est un nombre positif. Donc le signe de différent est positif. Ça s'implique que a au carré moins b au carré sur a moins sur ab est supérieur à a au carré plus b au carré sur ab. Et voilà, c'est très simple. Pour comparer des nombres, donc on calcule le signe de différence. Si le signe de a, le premier moins deuxième est supérieur à 0, donc le nombre premier est supérieur. Le signe est positif, donc a, le premier terme est supérieur à deuxième terme, comme ce qu'on a trouvé ici. Le signe est positif, donc a au carré moins b au carré sur ab est supérieur à a au carré plus b au carré sur ab. Donc voilà la réponse, dernière question, question B. Merci et bonne chance.